Ben bonjour tout le monde. On est présentement à peu près à l'autre bout du monde. On est dans la région de Saguenay, en plein cœur de la forêt. On s'est installé à côté d'un lac. C'est ici qu'on va passer la nuit ce soir. Puis là, ben, il fait un gros soleil. Puis tant qu'à attendre la belle lumière en faisant rien, j'ai décidé de vous présenter ma configuration de photographe nomade. Fait que je vais vous montrer exactement comment je fais pour aujourd'hui, ce soir, passer la nuit en forêt, puis être capable de faire des photos, puis tout ça. Fait que je vous montre ça drette là. Bon, tout d'abord, j'ai un Nissan Xterra. Fait que c'est vraiment un véhicule qui est conçu et pensé pour le plein air. C'est un 4 roues motrices. Il n'y a pas grand chose qui arrête ça. Seule chose, j'ai pas encore un treuil en avant. Fait que ce qui me manque pour avoir une sécurité totale, ce serait ça. Parce que moi, je suis vraiment en solo là. Fait que donc ça, c'est le véhicule. Hein? On va commencer par où je loge. Donc, ça, c'est une tente. Je l'ai pris à Lévis. Ça s'appelle, la compagnie s'appelle Vers l'Aventure. C'est une tente de toit. Hein? Je m'excuse, j'ai le soleil. Je suis à contre-jour. Je vais aller de l'autre côté, on va mieux voir. Alors, regardez ça. Où on va passer la nuit. Puis en se levant demain matin, là c'est quand même pas plate comme place. Là. Puis regardez ça, les. Je ne sais pas si on voit que le cellulaire, mais ça, c'est des grosses traces d'orignal. Les orignaux ils viennent ici le matin manger du foin. Ben, le matin, peut-être le soir aussi. Là. Fait que c'est ici que je vais m'installer pour faire des images. Puis je l'ai choisi parce que je suis capable vraiment de m'approcher du lac avec le camion. Puis avec la tente, je vais être capable, demain matin en me levant, je vais avoir un beau point de vue sur le lac. Je vais même pouvoir, hein, on voit là, il y a comme un auvent avec un moustiquaire. Fait que ça s'ouvre. Fait que je vais même pouvoir sortir un téléobjectif puis pointer ça vers là. Advenant le cas qu'un orignal serait vraiment de ce côté-ci du lac. Alors ça, c'est une tente qui se replie. Hein, quand j'ai terminé, j'ai juste à prendre l'échelle ici. Là. L'échelle se plie. Puis là, avec l'échelle, on pousse puis on réussit à plier la tente en deux. Puis tout ça, ça se fait en quelques. Évidemment, il faut enlever les hauts vents avant. Là. Puis là, on va monter. L'échelle. Bon, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup là-dedans, c'est que il y a un matelas. Je vais ouvrir le moustiquaire. Alors, là, ça swing. Hein? Il y a un matelas. Puis lui, il reste toujours dedans. Fait que quand on déplie la tente, le matelas se place. Le sac de couchage se place. Ben, il n'est pas très bien placé, là, mais en tout cas. il n'a pas besoin d'avoir le sac de couchage dans le camion. Les oreillers, tout est là. Il y a des moustiquaires de tous les côtés. C'est bien aéré. Là, aujourd'hui, il fait vraiment super chaud, ça fait que pas de risque d'avoir froid. Mais je l'ai essayé à 0,1 degré Celsius. Puis c'est vraiment de la toile qui est plus épaisse qu'une tente ordinaire. Ça fait que c'est pas long, ça fait comme un genre d'effet de serre avec la chaleur de notre corps. Ça fait qu'avec au point de congélation, j'ai pas eu froid et j'avais pas de chauffage. Dedans, j'ai toujours un sac de couchage moins 15. Parce que des fois, hein, même la nuit, sur la côte nord, puis ça arrive régulièrement qu'il y a une espèce de petite rosée. Ça fait que moi, je prends pas de chance, j'ai un sac de couchage qui est très chaud. Mais à date, pas de chauffage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la tente?
Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, le soir, je monte mon ordinateur ici, puis je suis capable de traiter mes photos, puis il y a des petites places de rangement pour le cellulaire, puis tout ça, là. Mais bon, on va redescendre, puis là, on va quand même fermer la moustiquaire. Ben, ça paraît pas, mais il y a vraiment beaucoup de mouches, puis des mouches à cheval, vu que ça me tente pas de les avoir cette nuit avec moi dans la tente. On va continuer à faire le tour. Bon, moi, je me suis procuré une table de pneus. Hein, ça vient s'attacher ici. Bon, là, on ne voit pas très bien, là. Mais ça va chercher... c'est comme un arche qui va chercher l'arrière du pneu. Puis on a des espèces de vis ici, là, qu'on serre. Puis là, la table se fixe comme ça. Il y a des petites pattes comme ça pour être sûr que ça ne bouge pas. Fait qu'évidemment, dans mon... Et puis ça tient sur une patte. Moi, ce que j'aime de cette table-là, c'est que, ben d'abord, elle se place en dessous de ma tente à faire un toit. Ça fait que même s'il pleut, je suis capable de me faire à manger, puis je me fais pas mouiller. Ça, c'est génial. Là, ce que je veux faire, c'est installer ici, je vais installer une barre LED, des espèces de LED qu'on colle. Fait que comme ça, quand je vais cuisiner le soir, ben je vais être capable d'avoir de la lumière pour faire mes trucs. Puis c'est ça. Ce qui est le fun de cette table-là, c'est que, bon, elle se place vraiment... Bon, on pourrait mettre une table à quatre pattes là, en dessous du toit. Mais en étant fixé sur le pneu, c'est vraiment stable, c'est vraiment solide. Puis ça se plie. Quand c'est plié, c'est pas plus épais que ça. C'est que dans le camion, ça prend vraiment pas de place. Ça, c'est vraiment génial. Là, ici... Côté passager, j'ai un bloc d'énergie. Ça me permet de charger mes caméras, de charger le cellulaire si besoin est, les lampes de plongée, puis tout ça. Ça peut charger ça. Ça, c'est un 350 watts. Bon, j'aurais dû prendre plus gros que ce 350 watts, minimum 500 watts. 350 watts, il ne fournit pas vraiment avec tout ce que je fais. Surtout que moi, j'ai branché un petit réfrigérateur dedans. Je ne l'ai pas branché direct dans le camion parce que j'ai pas envie de mettre ma batterie à terre et rester pris dans le bois. Ça fait que je branche le réfrigérateur là-dessus. Fait que c'est sûr que là, quand on a le réfrigérateur qui est en train de faire de son froid puis qu'on a des batteries qui chargent, on a besoin de rouler pour pas mettre ça à terre trop rapidement. Parce que évidemment, quand je roule, quand le camion est en déplacement, ben ici il y a un fil en bas, ça monte dans le 12 volts ici. Puis c'est le camion qui recharge ce bloc-là. Moi, je suis à peu près capable de passer le réfrigérateur seul. Là, il va toffer peut-être une nuit au complet. Quand il est bien chargé, ça va tenir le coup, mais pas vraiment plus. Puis surtout, ben, quand là, on est en plein été, il fait super chaud, le réfrigérateur, souvent, il arrête pas bien. Ça fait que ça tire du jus. Ici, j'ai une pochette où j'installe toutes mes caméras. J'ai toujours des caméras qui sont prêtes à être utilisées. On ne sait jamais si on croise quelque chose dans le chemin. Là, ici, j'ai un téléobjectif 100-400 mm. Puis ici, c'est un 180 mm macro. Fait que avec ces deux-là à portée de main, je suis capable de faire pas mal tout ce que je veux. Là-dedans, j'ai mes chargeurs de caméras. J'ai des flashs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, j'ai des fils pour charger mes lampes vidéo de plongée. J'ai des câbles USB. J'ai des cartes SD ici, des cartes de surplus. J'ai une petite caméra RX100 qui se fait malmener en étant dans le sac comme ça, mais bon, ça avait juste à pas être une RX100. Ah, c'est la première, c'est pour ça. Ah oui, puis ici, ben j'ai mon petit kit de YouTuber. Fait que quand j'ai besoin de... Je suis en déplacement, puis là, j'ai quelque chose à dire. Ben là, j'installe mon téléphone ici. Puis, je peux avoir de l'éclairage aussi avec ça. Puis, comme c'est un câble USB, ben je peux le brancher ici. Là, j'ai trois sorties USB ici sur ma station d'énergie. Fait que tout ça fonctionne. Tout ça collabore ensemble. On va aller où? Du côté conducteur. Ok, ici, là, on va commencer par ouvrir
le capot du moteur. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, ça va peut-être être difficile à une main. Ouais, je vais déposer la caméra ici. Bon, pour être le plus autonome en énergie possible, j'ai. On voit-tu? Alors, je vais attendre une seconde. Pour être le plus autonome en énergie possible, si j'arrive à un endroit où j'ai accès à du 120 volts, ben là, je peux brancher ma batterie, le camion. Puis ça, c'est un rechargeur. Fait qu'il recharge la batterie principale du camion. Fait que c'est une sécurité de plus. Puis ah oui, du côté passager, j'ai oublié quelque chose. J'ai aussi un bloc d'énergie sous le banc qui est branché encore une fois dans la station d'énergie ici, puis qui me permet de charger d'autres batteries. Parce que des batteries, disons que j'en passe pas mal, là, des batteries de caméra. On retourne du côté conducteur. Ah, puis là, je me suis vraiment mis. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Bon. Question de sécurité, il y a aussi un radio. Fait que on est capable. C'est pas un CB, là, c'est les autres ondes. Là. Je ne me rappelle pas du nom, là, mais ça permet de parler à du VHF puis des walkie-talkies, ce qu'un CB ne permet pas de faire. Puis là-dessus, ben, il y a aussi une sortie USB si j'avais besoin de charger quelque chose. Fait que c'est pas mal ça pour. Ah oui, puis j'ai un filet entre mes deux bancs avec les guides que j'utilise le plus souvent, puis une paire de jumelles. Et là, comme ça, rapidement, je suis capable de, s'il y a quelque chose qui se pointe, là, je suis capable de regarder avec les jumelles. Puis en plus, ben, ce filet-là, ça empêche Simon de venir en avant. Bon, là, on va ouvrir côté conducteur à l'arrière. Puis là, c'est vraiment un peu le bordel, là, parce que là, je suis comme sur deux missions. Là. J'ai été faire un truc de plongée à Sherbrooke. Puis là, j'ai les affaires de plongée puis les affaires de caméra de bois. Fait, d'habitude, je mélange pas les deux. Si je m'en vais dans le bois, j'ai pas d'affaires de plongée. Puis si je vais faire des images sous-marines, ben j'amène pas ce que je me sers dans le bois. Fait, mais là, c'est pas mal tout mêlé là, aujourd'hui. Là. Ça fait que ça, c'est un peu. C'est pour ça que c'est le bordel, qu'il y a beaucoup trop de stock dans le camion. Fait que toujours une extension. Hein? Si on a besoin de charger le camion puis la prise est loin, ben j'ai une super longue extension. Ici, c'est mon réfrigérateur. Je l'ai. Ouf, là, je sais pas si on va être capable de voir. Je l'ai fixé avec des équerres. Puis le Xterra, ce qui est le fun, c'est que la banquette, elle s'enlève. Fait que ça fait vraiment une plateforme bien droite. Fait que là, le petit réfrigérateur, hein, là, il est à 2 degrés Celsius. Il peut même faire un congélateur, cette affaire-là. Ça, c'est vrai. Lui aussi, tu peux charger des trucs avec. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ça contient quand même. Hein, là, il y a de la bière, il y a du jus, il y a du beurre de peanut. Il y a de la mayonnaise, du café, des... Ça contient quand même pas mal pour le petit truc que c'est. Ensuite, ben, à l'arrière des bancs, là, c'est sûr qu'on voit pas très bien. Faudrait que j'avance mon banc, mais là, j'ai tout ce qui est utile pour le camion. Bon, des outils là-dedans. Si on l'ouvre. Hein, il y a des attaches. Il y a des trucs pour se réchauffer. Il y a des outils. Il y a des piles. Il y a une balayeuse, papier de toilette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, encore d'autres guides ici qui sont à terre, ça n'a pas d'affaire là. On va les installer mieux que ça. Puis ici, bon, j'ai toujours un manteau. Hein, un petit coupe-vent. Puis mes trépieds sont installés là. Et si j'ai besoin d'un trépied, ils sont tout en dessous du banc. Bon, là, il y a encore d'autres outils, des tournevis, il y a des exactos, il y a des couteaux, il y a à peu près tout là-dedans. Ici, j'ai mon diffuseur pour faire la macro que j'attache en arrière.
Là, ici, là, comme je vous dis, là, là c'est mélangé les deux. D'habitude, il n'y aurait pas le stock de plongée. Là. Ça, ici, c'est vraiment... À part ça, ça c'est, je ne l'enlève plus. Ce coffre-là, il est fixé. Il y a des rails dans le Xterra. Ça, c'est du nettoyant qui a coulé. Il y a des rails dans le fond. Ça fait que j'ai fixé cette affaire-là avec les rails. Puis ça, c'est un gros coffre. Là-dedans, j'ai mon détendeur, j'ai mes masques, ordinateur de plongée. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ma BC, j'ai des pièces de rechange. Puis ça, c'est toujours dans le camion. Ça, c'est une boîte de caméra, c'est des objectifs, tout ça. Assez, bon, elle est mal placée. Ça, c'est mon dry suit, il n'y a pas d'affaire là. Ça, cylindre de plongée. Mais là, je ne laisserai pas là. Ça c'était un test que je faisais, puis j'aime vraiment pas ça d'avoir ça dans le camion. Ça prend trop de place, c'est dur, ça brise tout. Ça fait que, idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... quand j'ai le Zodiac accroché ici, bon, ben, il n'y a rien là parce que les cylindres, je les laisse dans le camion, dans le bateau. Sinon, ben, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un panier. C'est une espèce de gros porte-bagages comme ça qui vient en arrière. Fait que je vais pouvoir mettre des cylindres de plongée. Le compresseur de plongée, c'est là qu'il va aller aussi. L'essence de rechange, c'est là que ça va aller. Là. Moi, je ne mets pas d'essence dans le camion pour que ça pue et que ça soit dégueulasse. Fait que ça, c'est là que ça va aller. Ici, ça, c'est cette grosse caisse-là. C'est ma caméra sous-marine. Fait que le camion, hein, il est bien plein. C'est pour ça que, tu sais, certaines personnes... vont installer leur literie là. Ils vont dormir dans le camion. Moi, je voulais pas ça parce que j'ai vraiment, 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 vraiment trop de stock partout là-dedans. Il n'était aucunement question que mon lit soit là. C'est pour ça que j'y étais avec la tente de toit. Ça me permet de ne pas avoir d'oreiller dans le camion, pas de sac de couchage, pas de matelas, rien. Tout est déjà là. En 5 minutes, je déplie ça puis je suis prêt à me coucher. Puis là, ben, j'ai toute ma... tout mon stock dans le camion. Qu'est-ce que je peux montrer aussi? Bon, là. Aïe, aïe, il me suis fait piquer par un thon. Ça, c'est un sac de caméra ici. Hein, des piles, des objectifs, des trucs comme ça. Sinon, ici, ce que je trouve bien important d'avoir, oups, il est sorti de son sac, c'est un boost plus. Hein. Bon, ça, c'est si, mettons, malgré toutes les précautions prises avec le bloc d'énergie, il nous arrive une bad luck, puis on met la batterie du camion à terre. Ben avec ça, je suis capable de me repartir. Parce que moi, j'aime ça venir dans le bois, mais j'aime encore plus être capable de m'en aller quand je décide que je m'en vais. Fait que ça, puis ça, je l'amène aussi en mer. Fait que si le Zodiac a un problème de batterie, ben j'ai toujours quelque chose pour nous booster, pour être capable de redécoller. On va aller maintenant, dernier endroit. On va être du côté. Oups. Arrière passager. Puis là, ben c'est le bordel. Hein? Ça, c'est le drone, mon linge sale. Ça, c'est le moniteur externe pour mon caisson sous-marin, mon ordinateur, mon portable. Fait que, voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Ça ressemble pas mal à ça. Là, évidemment, dans un monde idéal, je vous aurais tout défait ça pour que vous, t'sais, tout l'installer pour que vous voyez bon, le temps que ça prend puis comment je procède, puis si c'est facile, puis tout ça. Mais là, je suis tout seul pour faire ça, puis me filmer. C'est que là, c'était compliqué. Alors, j'ai préféré tout l'installer avant de commencer la vidéo. Mais au moins, ça vous donne une idée de comment je... C'est quoi ma réalité quand je suis sur le terrain, puis que je dors dans le bois. Fait que voilà. Fait qu'il va me rester une mission à remplir. Je vous avais promis de vous présenter... l'équipement dont je me sers pour l'équipement photographique dont je me sers pour faire des images sous-marines. C'est la prochaine vidéo que je vais faire fort probablement. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient dans pas très longtemps. D'ici là, ben moi, la,
La lumière, elle commence à être plus agréable, un peu. Ça fait que je vais commencer à me préparer. Il y a beaucoup de libellules ici. On va essayer de faire des images de libellules. Si on est chanceux, un orignal demain matin. Sinon, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut les amis!